Bonjour mes chers violonistes, nous revoilà sur la chaîne du violon intérieur. Je suis Céline, professeure de violon. Aujourd'hui, je voulais travailler avec vous la position du premier et du second doigt qui vont être serrés. Du coup, ça va nous donner deuxième et troisième doigt écartés, troisième et quatrième doigt écartés. 1, 2, collé, 3, 4, ouvert. Ok ? Ce qui va nous donner 1 et 2, j'aurai un demi-ton. 2, 3, un ton et 3, 4, un ton. Tout cela sur deux petites mélodies. Alors, on va commencer à lire la première mélodie. On dit qu'on commence en anacrouse. Pourquoi? Parce qu'il nous manque les deux premiers temps. Donc on fera 1, 2, do, do, si, do, do, ré, do, do, si, la, a, la blanche, do, do, si, do, do, ré, et do, do, si, la, a, sol, et je recommence une deuxième fois. Ok, donc à la maison, vous pourrez commencer à le travailler d'abord en pizza, de manière à bien placer 1 et 2 collés. 1 et 2 bien collés, ok? Et 3, 4 écartés. Donc, le coude est bien placé sous le violon. Le pouce ne sort pas. Sans quoi, vous allez vraiment avoir du mal. Hein, le pouce, il est un petit peu plié, en appui sur le manche. Et il ne dépasse pas. Voilà. Donc, on va le jouer deux fois. Hein, puisque j'ai la reprise. Alors, ici, c'est très facile. Des blanches et des noires. C'est toujours la même chose. Les noires, moitié d'archer. Et les blanches, tout l'archer. Alors aujourd'hui, j'ai fait quelque chose à ne pas faire. J'ai mis un col roulé. Pour jouer, c'est impossible. Voilà. Donc là, je le garde pour la vidéo parce que ça ne dure pas très longtemps. Et après, quand je dois travailler vraiment, je l'enlève. Hein? Voilà, parce que là, c'est des surépaisseurs. Surtout que j'ai encore une écharpe dessous. Voilà, là où je suis en ce moment, il ne fait pas très chaud. Donc, je suis bien couverte. Voilà, donc faites attention, pas de surépaisseur. Hein, moi, vous voyez, hop, je le passe dessous, comme ça. Je me prépare. On y va. On compte jusqu'à 2 et on commence. 1, 2. Voilà, je vous réexplique pour les nouveaux arrivants, le but de mes vidéos est que vous jouiez avec moi, ok? Donc, vous le travaillez en amont à la maison, en pizza, tranquillement, pas trop vite, et vous essayez de vous caler avec moi, et pour la justesse, d'accord? Et pour le rythme, hein, faites bien attention de ne rien inventer. Deuxième petite mélodie, nous sommes à 4-4, on y va, on le lit d'abord. 1, 2, 3, 4, la, 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 si, do, ré, mi, ré, do, si, la, 2, 3 et chute, do, si, mi, ré, la, a, si, do, ré, do, si, la, 2, 3 et 4 et je le relirai. Alors, les quatrièmes doigts, les mi, je ne vous les ai pas mis. Mais ce sera à chaque fois des quatrièmes doigts, ici et ici. Ici, faites attention, c'est une liaison par deux. Beaucoup d'élèves confondent la liaison par deux avec les deux croches. Non, ce n'est pas parce que j'ai deux noirs ou deux notes dans un seul archer qu'il faut aller plus vite. Non, c'est l'archer qui va ralentir. Donc, la logique étant que si j'ai deux noirs dans un même archet, j'irai aussi vite que si j'ai une blanche.
ou aussi lentement. Hein, tout dépend comment vous le voyez. Voilà, c'est la même chose. Allez, on le fait ensemble. Moitié d'archet, sinon pour les noirs, et tout l'archet pour les blanches. Allez, on se place correctement. Le pouce ne sort pas. Hein. Le poignet bien droit. Le bras sous le violon. Et faites attention, le bras droit. On laisse toujours un peu d'espace entre le corps et le bras. Hein. On ne colle pas. On ne colle pas. On arrondit son poignet. On arrondit les doigts. Le pouce est bien plié hein, au niveau de l'archet. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé des positions des doigts au niveau de l'archet. Attention. 1, 2, 3, 4. Ce qui est plus difficile, c'est d'écarter 2, 3, 2, 3. Voilà. Hein? Donc faites bien attention de placer vos doigts sur le bout des doigts. Voilà. 1, 2, 3, 4. OK? Voilà. Faites bien attention. Écoutez-vous, jouez avec moi. Prenez patience. Ces deux petits exercices, ces deux petites mélodies, ben, on va dire, travaillez-les d'abord en pizza à la maison, hein, de manière à bien placer votre main gauche. Et ensuite, vous incorporez l'archet. Voilà, qui n'est pas du tout difficile ici, hein, à part le pousser ici avec les deux notes liées, mais ce qui correspond à une blanche, donc pas de souci. Allez, mes petits violonistes, bon travail, bon courage. On se revoit très vite pour deux autres mélodies. À bientôt!